Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce deuxième enregistrement. Si vous étiez là dimanche en live à 16h, on a parlé des batteries, des panneaux solaires, des batteries, des onduleurs, mais on a fait surtout les enregistrements des émissions de la semaine. Et le deuxième enregistrement de cette semaine, c'était un t-shirt. Un t-shirt de la marque Godfrey. Bromet des glaçons. Gotweed Official Store. J'ai regardé sur leur site. Ils ont pas mal de produits plutôt sympas. Et je me suis dit que ce t-shirt avait l'air quand même plutôt sympathique, Patrick. Donc on va le découvrir, Patrick. Voilà. Bon, alors le problème, c'est que le t-shirt est vert. Donc forcément, quand je vais le mettre moi, comme je suis sur fond vert, ça risque de pas marcher. Enfin, bon, après, voilà, on va regarder ça comme ça. Alors, première chose intéressante, non seulement il est très joli, il est pas cher comme il fait, et il est plus disponible. Il n'y a plus, ça faisait, il est à peu près à 10 balles, voilà, il est hors stock, voilà. Le temps que je fasse les produits et que tout, ben, il n'existe plus. Bon, le t-shirt a l'air un peu K-pop, comme je... il y avait un petit jouet dedans. Oh, il y a un petit panda. Oh, c'est trop mignon, c'est même pas un porte-clés, c'est vraiment juste un panda sur la plage. Voilà, ok, je te mets là, regarde, voilà. Voilà, c'est un panda et les quatre pattes en l'air, comme un panda. Il y a bien un truc, mais tu peux pas... Non, c'est même pas un taille-crayon, hein. Ouais, bof. Bon, écoute, j'aurais préféré que ce soit un porte-clés. Enfin, bon, c'est pas... Bon, le t-shirt. Tokyo, noté ici. La taille, L. Oh, la qualité est super bien. Voilà, donc je le prends un peu ici, fais voir. Tokyo, ok. Il est très joli, hein. En vert, comme ça. Pas mal. Il n'y a rien derrière. Ça, c'est de la cotonne, hein. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il n'y en a plus, parce que la qualité était vraiment bien. Est-ce qu'il y a de dedans et trucs qui disent que c'est de la cotonne? 100% coton, 100% coton, il n'est pas marqué du tout. Hein. Peut-être dans le col, des fois c'est imprimé, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors ouais, vous, forcément, maintenant le t-shirt, il fait transparent. Mais bon, vous m'en voudrez pas. Hein. Bon, allez, on va faire les essayages, hein, parce que il n'y a pas de raison. Et bim, badaboum. Ah oui, vous ne le voyez pas, vous, parce qu'il est en orange. Alors attends, est-ce que je peux... Là, est-ce que éventuellement, pendant... enlever la clé chromatique. Voilà. Boum, allez, c'est parti. Bon, voilà, là, vous avez... J'ai enlevé le fond vert. Enfin, j'ai toujours le fond vert, mais j'ai enlevé le filtre. Ça vous permet de voir le t-shirt. Écoute, il est pas mal. Il est un peu grand. Hein, pour du L, c'est vraiment du L américain. Je vais voir un peu comme ça derrière. Moi, je trouve pas mal. Écoute, je trouve... il est bien grand. Putain, L, ça aurait mérité presque un M. Non, il est bien, il est sympa, encore une fois. J'aime bien le logo, un peu Japon et tout comme ça. Alors, bien évidemment, vous, voilà, pour, pour le fond vert, ça vous arrange pas. Mais en même temps, c'est pas grave, on va laisser comme ça pour la fin de l'enregistrement. Écoute, la marque est bien, les produits sont quali, sont bien coupés, peut-être un peu grand. Là, malheureusement, pour du L, alors, il est pas disponible, il est plus disponible sur le site, mais voilà, hein. Ils s'en excusent, mais sans plus, quoi, tu vois, que je te dise. Après, ils ont plein de produits comme ça, mais L55, ouais, mais non, putain, pourtant, alors, ils l'ont en blanc, en rouge. Après, bon, vous pouvez aller sur la fiche et éventuellement le mettre dans votre panier. Moi, je l'avais payé 10 balles, et je trouve que le produit, bah, la marque répond un peu à nos attentes. Et c'est le dernier produit de fringues que j'ai. Après, on attaquera vraiment dans le dur. Voilà, du solaire toutes les semaines. Solaire, minage... Solaire, minage. Toutes les semaines, on fera une vidéo et on parlera prêt-à-porter, vêtements et surtout contrefaçon parce que j'ai vu que ça plaisait beaucoup et qu'on arrivait à prendre des abonnés. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se donne rendez-vous. Là, cette vidéo va être coupée jeudi. Prochain enregistrement, samedi, avec une casquette Copy Company. Non, CP Company, mais on n'a pas le droit de le dire. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.